Amen. Amen. Il faut que Dieu fasse quelque chose dans votre vie. Là où les gens échouent, toi tu ne dois pas échouer. Amen. Oui. Vous savez quand Jésus a dit tout a été accompli, c'est une comédie. Il a connu ce qu'on appelle l'ignomnie. L'ignomnie, c'est la plus grande honte. L'ignomnie, Jésus a été mis nu à la croix. Excusez-moi. Cette histoire de Jésus, on voit, il a petit caleçon, c'est nu à la croix. Comme il faisait les cours de christianologie, j'ai pleuré tout le temps. Parce que j'ai l'impression qu'on nous blaguait et qu'on nous mentait. Mais Jésus était mis nu à la croix. Il savait qu'il allait connaître l'humiliation. Il allait à la cour de Post-Pilate. Ce qu'ils l'ont montré là-bas. Jusqu'à la croix. Vous voyez, c'est enfin. C'était pour te donner le pouvoir. Amen. 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 C'était pour te donner le pouvoir. Amen. Et à la croix, il a dit, tout est accompli. Et à moi, il a décidé, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Sur ça, tu ne jouais pas le pouvoir des chrétiens. L'un chrétien est dangereux. Amen. Il est dangereux. Amen. Amen. Il est dangereux. Il est dangereux pour le royaume de Satan. Il est très dangereux. Qu'on a Jésus, ce n'est pas dans la bouche. Amen. Ce n'est pas dans la bouche. C'est parce que les gens ne voient pas véritablement lieu à l'œuvre dans votre vie. Que votre chrétien ne leur dit rien. Ça ne leur dit rien. Or, quand ils vont commencer à voir un changement dans votre vie, ils vont commencer à s'approcher de vous. Vous cherchez à savoir votre secret. Et quand vous allez présenter Jésus, ils seront convaincus que c'est Dieu. Parce qu'ils ont vu votre passé. Et quand vous commencez à voir le présent où Dieu est en train de vous bénir, il commence à prendre votre témoignage au sérieux. Amen. Vous dites que Jésus bénit et puis vous ne voyez rien. Elle cherche Marie, toi c'est ta problème, Marie. C'est un problème. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Or, il dit quand le Saint-Esprit viendra, vous serez mes témoins. Amen. Vous pouvez témoigner, c'est le matin pour vous dire Jésus est Seigneur, Jean 3, verset 7. Qui fait pas ça? Encore du voir, tout le monde connaît le verset. Jean 3, verset 7, tout le monde connaît ça. Dieu a aimé les mains, il a donné son fils, il dit, avec qui tu as pris à lui, les pays, il a arrêté. Tout le monde connaît. Mais ça dit aux gens. Non, ça ne dit rien. Il peut te répéter le verset. Mais c'est ton témoignage qui rendra le verset vivant. Amen. 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 Qu'est-ce que Jésus a fait pour toi? C'est ça qui intéresse les gens. Amen. Amen. C'est ça que Dieu, moi, je sors plus à ma vie pour aller évangéliser. Si je vais évangéliser là, je suis dans la rue, si je vois un malade, tu me tires au tas. Moi, je délivre les gens en pleine rue. Ça lui dit stop, il y a telle chose sur toi. Paf, tu as telle, je te délivre. Il y a tout pour moi des gens. Je dis, Jésus délivre les gens. Qui veut l'accepter? Tout le monde. Et puis je continue. Amen. Je ne cherche pas à voir verset tranchant. Vous savez, Jésus. Non, les gens ont compris, ils veulent maintenant voir Dieu à l'œuvre. Alléluia. C'est ça que l'apôtre Paul dit, mais prédication. Ne se reposez pas sur les discours. C'est ce qu'il dit aux gens. L'apôtre Paul dit, ce n'est pas sur les discours seulement, mais dans une démonstration de la puissance de Dieu. Amen. La parole de Dieu se démontre. Ah, oui. Elle se démontre. Amen. Elle se démontre. Non, et il ne faut pas aller courir derrière un miracle. Il ne faut pas aller courir derrière un miracle. Pourquoi moi, je courir derrière un miracle? C'est quoi la peine? Le jour où il me convertissait, j'ai dit au pasteur, je suis venu dans vos églises, ça fait 2 semaines, je suis à l'église ici, je ne vois rien. Il dit non, c'est qui ici? Si tu meurs, tu vas au ciel. Il dit, moi, je ne suis pas venu par le ciel, je suis désolé. Je quitte ton église. Le ciel ne m'intéresse pas. Il y a un problème. Puis Sorchi va me manger à Abessi. Manger bien. Puis j'allais quoi? Au ciel. S'il te plaît. Si Jésus ne peut pas résoudre mon problème, ben, ce n'est pas la peine. Et c'est comme ça, après ça, que j'ai fait une expérience avec Jésus. Quand j'ai vu que j'étais puissant, de façon je suis en train de prêcher l'évangile. Amen. Sans problème, je n'ai pas peur. Parce que je sais qu'il est vivant. Amen. 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 Notre Dieu doit être vivant dans notre vie. Amen. Ce n'est pas une question de me lève dimanche soir, où je vais à 16h, parce que ici, c'est la soirée, faites les cultes. Je viens à l'église, puis tu ne vois rien. Au cours de la semaine, tu ne vois rien, tu ne vois pas Dieu. Tu deviens comme un religieux. Tu viens à l'église. Souvent même quand il y a ça, autant aller à l'église encore. Tu ne vois pas. Or, quand Dieu a l'œuvre dans ta vie, frère, toi même tes chouchous. Nous, on était chouchous matin, on est venu, il n'y a pas assez de monde. On a prié, vous. Le soir, on est chaud parce qu'on sait qu'il est vivant dans notre vie. Amen. Il est vivant. Or, quand on ne sent pas trop à l'œuvre dans notre vie, il est difficile par moments. Tu vois, ta foi prend un coup. Amen. Amen. Frère,
devez vous révolter dans la prière. Amen. Amen. L'apôtre Paul dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Il faut que cela change. Que vous compreniez que vous, si Dieu vous êtes, vous avez été sauvé par Christ, vous devez être un témoignage puissant à la gloire de Dieu. Amen. Votre vie doit témoigner de la puissance de Dieu. Là où vous êtes, il faudrait, là où les gens échouent, vous ne devez plus échouer. Vous ne devez même plus avoir problème d'argent. Amen. Amen. Vous savez qu'ils sont pas l'argent. Hein? Depuis le mois de janvier, j'ai maîtrisé le système du Maroc. Oui. C'est un système. Amen. Amen. C'est un système. C'est une question de connaissance spirituelle. Tu es dans un endroit, il faut maîtriser les choses. Tu ne maîtrises pas les données spirituelles, tu seras en retard. J'ai fait une expérience, je suis allé au guichet, l'argent ne sort pas. J'ai dit, ah, non, c'est comme ça ici. Vous me blaguez, vous me dites, j'ai visa. Ah, ok, en réalité, ici, il y a un système en place. Les gens ne doivent pas sortir là. Leur argent doit rester ici. Non, si. Donc, si vous comprenez ça, c'est spirituel aussi. Vous prenez, c'est physique. C'est spirituel. Vous allez pour travailler ici, vous n'allez jamais avoir à l'argent ailleurs. Ou bien, vous avez quelqu'un qui va pas sortir 4 millions, 10 millions, vous allez pas ici. Non. Ils vont t'arrêter. C'est interdit. C'est interdit. Donc, déjà, dorénavant, l'étranger est déjà pauvre. Il ne quittera pas, sortira pas avec nos richesses. C'est spirituel. Tu as travaillé quand il y a un problème. Si toi, tout ton petit argent là, c'est à l'eau. Or, je vais vous donner les secrets. Amen. Hein? Amen. Tu dis pas amen? Amen. Je vais donner les secrets. L'or et l'argent appartient à qui? À Dieu. Ah, vous savez ça? Oui. Ok, acclamez le Seigneur. On va essayer. L'or et l'argent appartient à Dieu. Moi, il y a un problème d'argent. Tu sais qu'il m'a fait, il ne me reconnaît pas. Amen. Souvent, il y a des enfants bâtards. Excusez-moi. Les thèmes. Amen. Amen. Et souvent, les enfants bâtards. Si lui-là même nous ressemble. Non, je ne sais même pas qui il ressemble. Tu vois les enfants, tu ne sais pas qui il ressemble. Il ne sait pas au papa. Donc tout le monde doute de sa paternité dans la maison. De toute façon, il est. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Or, Dieu a fait de nous des enfants légitimes. Amen. La Bible dit dans Galates, il n'y a ni juif, il n'y a ni grec. Alléluia. Amen. Nous sommes tous un en Jésus-Christ. Alors si nous sommes un en Jésus-Christ, nous sommes en Christ, nous sommes héritiers d'Abraham. Amen. Nous n'avons pas cet héritage d'Abraham. Celui qui t'est béni, est béni. Celui qui t'est maudit, est maudit. Frère, la vie chrétienne, ce n'est pas une religion, c'est une vie. Amen. C'est une vie. Ce n'est pas une religion. Non, mais c'est la religion chrétienne. C'est une vie. Quand Christ va commencer à vous bénir, les gens commenceront à prendre votre chrétienté au sérieux. Amen. Les arrêts, ça leur dit. Vous êtes là, c'est vous qui avez tous les problèmes. Ça dit aux gens. Quand vous allez commencer à résoudre le problème, pourtant la Bible dit que Dieu fera de nous une source de bénédiction. Amen. Oui, quand tu arrives à ce stade-là, tout ce que tu dis, les gens sont obligés d'accepter. Amen. Il dit, je ferai de toi une source de bénédiction. Elle n'est jamais sur les sources de malédiction. Quand il arrive, il n'y a pas ses problèmes. Il ne peut même pas aider quelqu'un. Un dirham même, c'est dirham, non? Dirham même, c'est un problème. Amen. Amen. Souvent, moi, j'ai maîtrisé vos dirhams là. Hein? Non, j'ai maîtrisé ça. Amen. Amen. Moi, j'ai maîtrisé ça. J'ai parlé sur ça, j'ai maîtrisé ça. C'est un système qui est mis en place ici au Maroc. Où le Marocain, c'est pour ça que le pays est prospère. Or, chez nous ici, chez nous en Côte d'Ivoire, on prend en valise. Souvent, on contenait de nos argent là. Ça passe devant toi, puis ça s'en va. Tu vas t'étonner. Nos conteneurs là passent comme ça. Conteneurs. Oh, la Côte d'Ivoire, vous voyez là, c'est 10 fois plus riche que le Maroc. Amen. Celui qui veut me dire le contraire, je vais lui démontrer ce qu'on a en Côte d'Ivoire, ce que les Marocains ont aussi. Nous sommes très riches, mais en retard. L'éducation, c'est vérité. Hein? Vérité. Très bien. Que Dieu nous aide. Amen. Donc, je suis en train de vous révolter à comprendre les choses spirituelles. Ça, spirituellement. C'est-à-dire, ce qui t'arrive là, il faut voir ça comme sur le plan spirituel. Il ne faut pas voir sur le plan charnel. Amen. Amen. Or, si tu es charnel, il sera difficile de percer les choses, les mystères. Amen. Quand les choses sont spirituelles, quand tu es sur un territoire, tu n'arrives pas à avancer, tu dois te poser beaucoup de questions. Amen. Si Dieu t'envoie au Maroc, il a permis que tu viennes au Maroc, ce n'est pas pour échouer au Maroc. Amen. Dis amen à moi. Amen. Dis amen à moi. Amen.
Comme il cherche un caractère, il cherche, il vient prospérer. Amen. Il sait qu'il représente le royaume. Amen. 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 Il doit sentir quelque chose qui les dérange. Ceux qui n'ont pas, ils doivent sentir quelque chose. Je dois prospérer. Parce que je tire un enfant d'Abraham. Amen. Alléluia. Amen. 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 Ok, que Dieu bénisse. Amen. Je suis en train de te révolter un peu hier. Dans la foi. Amen. Amen. Alors, je parlais de la sorcellerie. J'ai dit, il est vraiment important de comprendre que le problème de l'Afrique, c'est la sorcellerie. C'est un problème spirituel. Le problème de l'Afrique, c'est spirituel. C'est pas physique. C'est spirituel. La preuve, c'est que c'est nous qui ravitaillons le monde entier. Tout part de l'Afrique. La 66% des ressources, c'est ça qui ravitaille le monde entier. La France, il n'y a pas de l'Europe, l'Amérique, mais aujourd'hui, l'Asie. Vous savez que la civilisation est partie de l'Afrique. Vous êtes d'accord avec moi? L'Égypte ancienne. Oui. L'écriture est née en Égypte. Oui. Tout est parti de l'Afrique. Vous savez que les vrais Africains en Égypte étaient les Noirs. Oui. Les pharaons étaient les Noirs. C'est l'immigration, les Arabes sont venus. Oui. Sinon, vous-même, vous savez que les Berbères, les vrais Marocains sont Noirs. Oui. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, c'est ça. Ah, c'est des choses que vous devez connaître. Vous savez ça, non? Oui. Les vrais Marocains sont Noirs. Oui. Ils sont ceux qui sont prospères ici, mais il paraît. Oui. Les Berbères, c'est pareil. C'est eux qui ont mis l'argent. Dans le commerce. Oui, mais c'est ça. Amen. Amen. C'est des choses que vous devez connaître. Vous êtes dans une histoire, vous êtes aveuglé, vous êtes quelque part, vous ne savez pas qui va quoi. Or, vous devez connaître le territoire. Avant de pénétrer un territoire, vous devez maîtriser le territoire. Amen. Si tu ne maîtrises pas un territoire, c'est le territoire qui va être maîtrisé. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'ils savent. Partout passé, ils savent. Il y a une caméra de surveillance spirituelle qui vous contrôle. Qui contrôle tous vos mouvements. Amen. Amen. Ça doit se griller. Amen. Amen. Si vous enseignez le spirituel, vous serez dangereux pour le royaume de Satan. De toute façon, vous voyez les caméras physiques là. Il y en a aussi de spirituel. Il y en a spirituel. Amen. Amen. Quand vous rentrez là, on vous identifie sur le plan spirituel. On sait qui est rentré, qui n'est pas rentré. Vous voyez le travail que sont venus faire là. Il y a aussi un travail spirituel qui se fait derrière. Donc vous êtes réglé déjà à partir de l'aéroport. Tout est déjà réglé. Or, si vous ne renversez pas les choses, c'est ça, il faut renverser ça à votre faveur. Il faut renverser ça. Et puis, pour posséder, toi, ton héritage. Amen. Parce que là où toi, tu es, tu représentes Dieu. Amen. 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 Donc, je parlais de la sorcellerie, n'est-ce pas? Amen. Je disais comme ça que la sorcellerie sort du mot lanceur de sort, n'est-ce pas? Amen. Il n'y a pas de sorcellerie positive. Ça n'existe pas. Si quelqu'un vient te dire, lui, il est sorcier, mais pour lui, il est bon. Tu dis, monsieur, pardon, s'il te plaît. Je sais que peut-être comme tu as envie de nous manger, que tu es en train de dire ça. Il n'y a pas de sorcellerie positive. Ça n'existe pas. La sorcellerie est négative. Est-ce qu'on m'a bien saisi? Amen. Elle est négative. Or, la définition nous amène à comprendre que c'est négatif. Sorcellerie. Ça veut dire lanceur de sort. Il n'y a pas lancé de bon sort. Le sort, il est mauvais. C'est un mauvais sort. Lanceur de sort. Est-ce qu'on m'a bien saisi? Amen. Un lanceur de sort. Amen. Amen. Donc, si vous avez dit que c'est déjà un danger. Or, là où il y a la présence de la sorcellerie, c'est le retard. C'est tout, c'est le retard. Nous étions dans la région de. En 2012, nous sommes allés évangéliser dans la région de Grand Sassandra. Vous savez, pour ceux qui sont ivoiriens, qui ont quitté tout récemment, bien sûr, en Côte d'Ivoire, ils savent qu'entre Sassandra et San Pedro, on appelle ça la côtière. La côtière, cette voie, la côtière. Depuis un moment, c'était dégradé. C'était dégradé, le bitume était gâté. Moi, j'étais dans une couverture de croisage d'évangélisation dans un village appelé Miango, dans un village. Or, nous, quand Dieu nous étudie dans une région, on oubliait de faire le tour des villages. Donc, quand on a fini dans la route, on a attaqué Sassandra, Fresco. On tente de travailler à Fresco. J'arrive dans un village et on met la main sur une confrérie. On met la main sur une confrérie. Ils sont allés appeler en renfort une dame qu'on appelle Koubaron. Elle est la mère de la mort. Voilà. Si vous connaissez affaire de sorcellerie, vous n'allez pas jouer ça. Elle est s'assoit sur saut, elle ne s'est jamais assise sur tabouret. Sur saut. C'est de dire un homme mort, mon cher. Faut dire à monsieur de Ménisieux, fais-moi ce que. Vas-y, tu vas mourir. Elle est la sixième sur le plan national au niveau de la Côte d'Ivoire. Le diable s'est organisé. Il a pris ça de Dieu. Il est très organisé. C'est pour ça qu'il avance. Il est très organisé.
Quand vous allez voir un sorcier, si un sorcier est dans le quartier, il va tout chercher. Quel sorcier qui fait sorcellerie avec lui? Mais oui, c'est comme ça. Ah, comment est-ce que c'est comme ça? Non. Oui. La sorcellerie, c'est une science. Elle aussi évolutive. Parce que la technologie évolue aujourd'hui, là, on a les images avec Bluetooth. Tu es étonné, tu vois quelqu'un qui est en Angleterre. Toi, tu es à Zaroko, là, tu le vois sur Skype. Pourriez, parler à ça. Vous disiez au revoir. Vous voyez? Oui. L'Internet. Parce que c'est évolutif, sur ça, la sorcellerie évolue. Aujourd'hui, ils n'ont plus besoin de qu'on soit de même famille et s'en fiche de ça. Chez nous, on appelle ça la sorcellerie mou. C'est-à-dire, c'est non limite. Il n'y a pas de limite dedans. Il n'y a pas de frontière. Non, on appelle ça la sorcellerie mou. Mou. Et il frappe partout. Il frappe partout. Il te regarde, il sait que toi, il peut te manger. Il appelle ton âme, il met dans le sac. Le soir, il te braise bien. Et son garba. 3 semaines après, il est mort de crise cardiaque. Il peut t'en manger. Ça évolue comme ça, la sorcellerie. Donc, pendant qu'on faisait la séance d'évangélisation, le Seigneur nous a utilisé à mettre la main sur pas mal de sorciers dans le village. Et voilà que la dame, ils sont allés l'appeler en renfort pour nous détruire. Qu'elle est rentrée dans le village, elle a pris une chambre, elle a commencé à faire des incantations. J'étais couché dans ma chambre, je sentais qu'on tirait sur moi. À 5 heures. Vous savez, moi, je me réveille à 7 heures, mais je vous donnerai tout à l'enseignement. Quand j'ai fini mes actions, de 4 heures du matin, à 5 heures, je suis allé frapper à sa porte. Vous dites, tu as échoué. Non, tu as échoué. Amen. 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 Tu as échoué. Pourquoi? Parce que la Bible, Dieu versait sa parole pour l'accomplir et l'exécuter. Isaïe 54, verset. Isaïe 54, verset 18, non? Il ne connaît pas la Bible. Je comprends pourquoi sorcier vous suit. Isaïe 54, verset 17. Toute âme forgée contre toi sera. Hein? C'est la Bible. Combien? Comment on dit pas la Bible ici? Vous dormez seulement. Isaïe 54, verset 17. Amen. Elle a tout fait, j'ai mis la main au ciel. Qu'elle est venue la vouer. Mais d'abord, elle m'a lancé des fleurs, dit, moi, on ne m'attrape pas comme ça. Que ce que tu es en train de faire là, tu vas mourir. Dit, moi, j'aime ça, hein. Les trucs très forts comme ça. Mourir. Il y a quelqu'un qui est déjà mort à ma place. Amen. Amen. Jésus est déjà mort. Il est mort à la croix. Toi, tu as venu me dire, je suis mort, je vais mourir. Toi, t'es qui? Elle me dit, ne touche pas mes fétiches. Oh là là, c'est. C'était une erreur de sa part. Oh, moi, je n'ai pas d'interdit. Elle ne touche pas. Je dis, ok. Je vais toucher, puis je vois ce qui est derrière. Amen. Donc, je prends tous ces fétiches, je brûle, j'incendie. Elle dit, oh, ce sont mes dragons. Non, la personne habitée, Baba Melin. Très dangereux. Baba Melin. C'est des dragons. Elle prend le sang humain et puis elle le nourrissait. Quand j'ai cassé, le Baba Melin est parti. Elle m'a dit, tu es un homme mort, c'est fini ça. Parce qu'on ne touche pas ça. Elle dit, jusqu'à 18h, quand le soleil se couche, tu vas mourir. Amen. Amen. Oh, il y a des choses à vous enseigner, il y a trop de connaissances pour vous. Oh, moi je connais ça. Jésus a dit, soleil, arrête-toi si Gabaon. Jusqu'à ce qu'il fasse périr les ennemis d'Israël. Oh, moi je connais ça. Je vais déjà régler ce problème-là avant d'être dans le village. Or, eux, ils savent qu'ils utilisent ça pour agir. Moi, je vais déjà régler ça. Je finis vers 15h. Il dit, mamie, quand je suis fatigué, je vais faire sieste. Hein? Parce que la Bible est prouvée la parole de Dieu. Je vais faire la sieste. Mais tu vois la maison que là, c'est ma fenêtre. Il faut aller faire marcher. Achète l'aubergine, achète gombo, tout ça baisse. Vous avez pépé sous les kegenou, là, c'est rapide, non? Il dit, faut aller faire kegenou. Il ne faut pas t'emmerder, aller payer graines. Ça va te fatiguer. Ça va durer au feu. Oh, si c'est que de nous, c'est rapide. Elle me réveille, elle sourit. Gisèle, je suis un homme mort. Parce que ça marchait tout le monde. Je suis allé dormir. J'ai mis ma montre portable sur réveil. C'est à 19h. J'ai dormi, je suis allé à 19h. J'ai le portable à 19h. J'ai pris ma brosse à dents, ma patte. Où il est assis là. J'ai demandé à me brosser devant elle. Elle me regarde étonnée. J'ai dit, mamie, je suis vivant. Amen. Elle s'est levée
Ce que je suis en train de vous dire, tout fresco c'est cela. Tout fresco est convaincu de la puissance de Dieu. Elle s'est levée, elle dit, j'accepte ton Jésus. Amen. Dans Jésus en moi, il s'est payé ma vie. Dans Jésus en moi, il s'est payé ma vie. Si Dieu l'a fait pour moi, je ne vais jamais oublier. Il a fait trop de choses pour moi. Des bonnes choses pour moi. La cosia zilima wo. La cosia zilima wo. Mon la cosia zilima wo. La cosia zilima wo. Zilima wo. La cosia zilima wo. Zilima wo. Zilima wo. Les marabouts, ils m'ont dit que si tu es le feu, ça va aller haut. Ils m'ont dit que, ils m'ont dit que ça va aller haut. Yeah. Ils m'ont dit que si tu es le feu, ça va aller haut. Fais-moi passer, je n'ai pas été guéri. Yeah. C'est quand je sortais Jésus, yeah, Jésus qui l'a livré. Mon Dieu est plus fort que le sorcier. Mon Dieu est plus fort. Mon Dieu est plus fort que le marabout. Mon Dieu est plus fort.
Annoncer la bonne nouvelle et tu bénis d'aller partout apporter la parole. Amen. Amen. Dis à quelqu'un, tu es béni. Nous allons chanter un chant. Amen. Pour dire que nous sommes tous étrangers sur cette terre. Chante le beat. Takou lomo ayao. Elie la gonema, matoto pataku, lo humo ayao. Yamo suyonema, matoto pataku, lo humo ayao. Elie la gonema, matoto pataku, lo humo ayao. Lo humo ayao, lo humo ayao. Lo humo ayao, lo humo ayao. Lo humo ayah,
Alléluia. Si quelqu'un te bénit, dis amen. Alléluia. Nous avons donné la signification. N'oubliez pas que je chante. Jésus chante. C'est mon dernier, c'est mon tout dernier vient de sortir. Ça fait pas deux semaines. Je suis jusqu'à 5 albums sur le marché ivoirien, les disques. Voilà. Moi, j'ai commencé à chanter début 2004. C'est vrai que j'ai vu mon cap vert, tout ça. Et au fur et à mesure, je faisais surtout des albums. Jusqu'aujourd'hui, à mon cinquième album. Amen. Alléluia. Voilà, que Dieu bénisse. J'espère que les disques sont là. On aura l'occasion des disques sont dans les CD. Je reste là-bas. Ok, donc que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, on continue l'enseignement sur la sorcellerie. On vous a parlé de lanceur de sort, n'est-ce pas? Oui. Oh, les lanceurs de sort. Après, vous pouvez envoyer les disques. Les CD. On va parler de lanceur de sort. Et puis, on vous a expliqué un peu. Je vais commencer à parler un peu de les caractéristiques d'un sorcier. Comment reconnaître un sorcier? On vous a parlé de la jalousie. Le sorcier est très jaloux, n'est-ce pas? Oui. On vous a parlé de l'hypocrisie. Caractérise sa, la sorcellerie. La personne est très hypocrite, fait semblant d'être avec toi. On entend les criser, chercher l'information. Oui, elle est critique. La personne est critique. Elle est bien mentie. Comme le père, son le diable, le saint, du mensonge. Et la personne aime beaucoup garder les choses. Elle n'oublie pas, elle garde les choses. Amen. Rancune. La personne n'aime pas partager. Oui. Et puis la personne est ingrate. Oui. Voilà, on a essayé de voir un peu tout ça. Oui. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous prenons 1 roi 3, le verset 16 à 27. Amen. Amen. Ça vous permet de pouvoir contrôler, avoir le discernement autour de vous. Amen. Amen. Vous liez les amitiés, tout le monde. Moi, je peux causer à toi, mais je n'ai pas trop d'amis. Ça va vous étonner. Je suis homme de Dieu, mais je n'ai pas d'amis comme ça. Non, il n'y a pas trop d'amis. Je prêche à l'église sur mes fils spirituels. J'ai un service d'encadrement. Ok, chacun a sa vie. On te rend visite, tu as des problèmes. Mais moi, je ne me dis pas à tout le monde. Je suis désolé. Amen. Amen. J'ai moins de problèmes d'ailleurs. Si tu es un parent, tu veux venir chez moi, et tu vas bien m'expliquer pourquoi tu viens chez moi. Tu vas bien expliquer. Sur ça, chez moi, il ne vit pas avec tout le monde. Non. Je vous ai donné la raison tout à l'heure dans l'enseignement. Amen. Donc voici les CD. Les CD. Moi, je connais Yoro, puis Stéphane. Vous, c'est des dirhams là. Ça me fatigue trop. Mais je maîtrise le dirham, c'est tout. C'est des dirhams spirituels là. J'ai ça. Ah oui, si. J'ai ça. Je lui ai dit, tu n'as jamais quitté de ma bouche. Amen. 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 Alléluia. Depuis ce béni, j'ai ça dans ma bouche. Il y a du là dans ma poche. J'ai consacré ma poche. Les gens ne vont pas voir, mais moi j'aurai ça. Laisse-moi, j'ai ça toujours dans ma poche. Je vais vous montrer, il y a les techniques de consécration. Il y a les techniques. Oui, c'est pas vous ne maîtrisez pas le monde spirituel, que l'aïe vous fuit. Amen. Amen. Vous savez, l'enseignement d'un prophète et puis un pasteur, c'est différent. C'est comme un professeur de français et puis d'histoire jour. Il est professeur de français. Lui, il va venir enseigner l'histoire jour. Vous avez dit, monsieur, vous êtes trompé de coup. Vous avez cahier d'envoyer.